je m'appelle Pilou et je suis fou de reptiles depuis toujours. Je vais tenter d'apporter ma modeste contribution à l'édifice de la terrariophilie. Bienvenue chez moi, bienvenue sur utopia.com. Bonjour et bienvenue sur gutopia.com, je m'appelle Pilou. Voilà, ben, comme j'ai un petit peu de temps en ce moment, comme un petit peu tout le monde, je vais vous présenter un peu mes serpents des blés, mes Pantherophis gutatus. Voilà, donc j'en ai 23 qui sont pas encore prêts à la reproduction, ils seront prêts l'année prochaine. J'en ai une qui est prête, qui attendra l'année prochaine. Voilà, ça grossit petit à petit, hein, ça fait déjà un an et demi que je les ai, voilà, et puis bon, ça pousse petit à petit, voilà, ça grandit. Alors comme je dois les nourrir aujourd'hui, avant de les nourrir, je vais vous les montrer un petit peu. Alors, tout d'abord, j'ai un très beau Pantherophis gutatus et scaleless. Il est tessera. Voilà, un petit peu nerveux parce qu'ils sont pas habitués à ce que je les prenne, il va se calmer un petit peu, voilà. Et c'est vrai que j'ai pas tendance à trop les manipuler. Alors j'espère que c'est pas trop flou. Que vous réussissez à bien les voir. Oui, ils sont pas trop habitués à être manipulés, voilà. Faut le temps qu'ils se calment. Très bel animal. J'adore la couleur. Le Kitty Abbott, c'est vraiment une très très belle couleur. En plus tessera comme ça. Vraiment très joli. Tessera qui est une mutation dominante, hein, et puis le Kitty Abbott qui est c'est une région où on trouve ce genre de serpent. Regardez-moi ces couleurs. Alors, je ne sais pas si ça donne bien sur la vidéo, mais ce orange foncé, presque marron, c'est très profond. Voilà, donc, un très bel Okiti Abbott. On va le remettre. Alors là, c'est un couleur sauvage, mais ce qui m'intéresse dans celui-ci, c'est qu'il est porteur de Scaleless et d'Aneri. Voilà, c'est quand même un très bel animal. Même en couleur sauvage, c'est vraiment très très beau. Quand on se dit qu'on peut trouver ça en Amérique du Nord, on peut trouver ce genre de colubridé, ça donne envie d'aller se balader dans les prairies d'Amérique du Nord. Vous voyez, ils sont pas habitués à être manipulés, je les manipule pas trop, je les sors pas trop, je vais pas les stresser. Donc ils sont un peu agacés au départ. Le temps qu'ils se calment. Voilà. Donc, la couleur sauvage,
un génotype très intéressant puisqu'il est porteur de Scaleness et d'Aniri. Ce qui veut dire que si, ben c'est une petite femelle, quand je la mettrai avec, avec un Scaleness, un mâle Scaleness, Scaleness Aniri, sortira 50% de ce qu'elle laisse en statistique. Couleur sauvage. Vous voyez le damier, on peut le voir en dessous. Petite Kitty on voit que la couleur est plus marquée, plus orange marron, c'est une couleur profonde, c'est vrai que j'adore cette couleur. Alors ça c'est une Aniri, mais elle est en plus porteuse de Scaleness et de Stripe. Et même en Aniri, je trouve que c'est vraiment très très beau. Encore plus beau que le charcoal, je trouve. Voilà, calme-toi pour qu'on puisse te voir mieux. Voilà. Une très belle Aniri. Pour ceux qui ne sont pas habitués à la génétique, c'est vrai qu'il y a une couleur externe qu'on appelle le phénotype, c'est-à-dire la couleur qu'on voit. Et puis, il y a une couleur qui est qu'on ne voit pas. On dit qu'ils sont porteurs ou hêtes, hétérozygotes. Et donc, ça joue sur, sur les petits qui vont sortir. Par exemple, si on a deux serpents qui sont de couleur sauvage, mais qui sont tous les deux porteurs d'Aniri, par exemple, si je ne dis pas de bêtises, en statistique, on pourra avoir un quart, 25%, de petits qui seront Aniri, alors que les deux membres du couple ne montrent pas les couleurs Aniri. C'est pour ça que quelquefois, quand on fait des accouplements, on ne connaît pas tous les génotypes d'un serpent, et quand on fait des accouplements, quelquefois on peut être très étonné de ce qui sort, parce qu'on s'attend à voir certaines mutations, certaines morphes, et tout d'un coup il y a quelque chose qui ressort et on se dit ah là d'accord, il y a quelque chose, il est porteur de quelque chose. Voilà, donc là c'est une très belle Aniri. Alors ici c'est encore une Aniri, mais cette fois-ci elle est également Tessera. Moi j'adore Tessera, même si c'est une mutation dominante, j'adore cette mutation, c'est mosaïque, c'est vraiment,
C'est très très beau, j'adore. Regardez ces motifs. Je trouve que c'est une très très belle robe. Est-ce qu'on peut voir ta tête? Tu veux pas montrer ta tête? Voilà. Ça y est. Donc c'est une très belle robe. Donc c'est une anérie, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais en plus, elle est mosaïque. Parce qu'un serpent peut être porteur de plusieurs mutations. Une mutation, deux mutations, trois mutations, quatre mutations, cinq mutations, ce qu'on appelle les combos. Alors, il faut faire attention quand on a des tesseras. Comme c'est une mutation dominante, elle va ressortir énormément. Et elle peut manger toutes les autres mutations et faire disparaître des choses. Donc il faut faire très attention quand on les croise. Voilà. Tessera anérie. Alors ici, petite Butterstripe. Alors c'est un serpent que je voulais pas forcément dans mon élevage. Mais c'est, je dirais, le serpent qui me sert pour faire les manipulations. Quand il y a des gens qui viennent qui veulent manipuler parce qu'ils n'ont jamais manipulé, qui veulent essayer de voir à quoi ça ressemble de manipuler un serpent. C'est le serpent que j'utilise. C'est un serpent que j'ai trouvé chez un copain. Il avait cette petite Butterstripe. J'aime bien la couleur. En plus, jaune marron. Les yeux rouges. Donc j'ai dit banco, on va la prendre. Et c'est celle que ma fille manipule très souvent. Dès qu'elle descend avec moi. L'élevage, elle demande à ce qu'on manipule la Butterstripe chez son serpent. Elle grandit pas très vite, pourtant elle mange comme les autres, mais c'est un serpent qui grandit à son rythme, qui grandit pas beaucoup. Et donc c'est un serpent qui est attachant. Celle-ci, je pense que je la mettrai pas en reproduction parce que j'ai pas prévu de mâle pour aller avec. Voilà. C'est vrai que voilà, comme ça, je suis tranquille pour les manipulations. C'est mon serpent des manipulations. D'ailleurs, on voit qu'elle est beaucoup plus calme que les autres. Elle est beaucoup plus manipulée. Butterstripe. Alors, j'ai également deux Tessera Ghost. Donc toujours Tessera. Et on voit que les marquages sont plus marron-orangé. Une Tessera, donc une mutation dominante et Ghost.
très beau serpent aussi. Vraiment, j'adore. C'est vrai que les serpents des blés, c'est des serpents réputés faciles, et c'est vrai qu'ils sont faciles hein, par rapport à Mégonyosoma, ça n'a rien à voir, mais moi j'adore ce serpent, il est docile, il est calme, et en plus avec des mutations qui sont vraiment extraordinaires. C'est calme, c'est bien. Voilà un Tesseragoste. Alors maintenant, je vais vous montrer. Alors ça, c'est un beau serpent aussi. Toujours un Tessera, on voit la mosaïque, mais c'est un Tessera Okiti. Okiti Reverse. Alors, ça fait bien ressortir le orange de l'Okiti Reverse. Ah, il est beau. Il est vraiment très très beau. Incroyable. Évidemment, on voit que son œil est rouge. Donc il y a évidemment de la lumière. Cette couleur et les yeux qui sont rouges, ça donne vraiment une intensité à la robe. C'est là, Okiti Reverse. Voilà mon Okiti Reverse qui est un an de plus avec la taille est complètement différente. Là, on voit toujours le orange jaune sur les flancs notamment et puis les yeux rouges. On voit surtout la taille qui est beaucoup plus aboutie. C'est pareil, ça c'est des mutations qu'on trouve assez régulièrement et du coup qui sont un peu moins prisées. Parce que c'est des systèmes de mode, hein, les mutations. Hein, il y a les modes des scaleless en ce moment, il y a les modes des palmitos, etc. Et puis bah, celle-ci qui est vraiment superbe, c'est une mutation qui est déjà qu'on rencontre plus régulièrement. Et donc qui est moins demandé, qui est moins prisé, ben c'est dommage parce que c'est vraiment une très très belle mutation. Regardez ces couleurs, c'est impressionnant. Voilà. Ça qu'elle pose là. Très très beau ça, c'est un très bel animal. Puis je vous dis comme tous les Pantherophis. Tous les serpents de blé, c'est un animal qui est vraiment très très manipulable, très docile. Je pourrais pas faire la même chose avec Mégonyosoma qui sont vraiment déjà pour les attraper, c'est plus compliqué. Et puis, si on fait le moindre geste qui convient pas, Mégonyosoma, ça leur fait peur, ping, ils tapent. Il ne mord pas forcément, mais il tape. Alors que là, les serpents d'épée, c'est vrai que c'est un serpent qui est vraiment le plus agréable pour la manipulation. Bon,
Ce qui est marrant, c'est que les gens qui ne connaissent pas les serpents n'ont jamais eu de pied. Quand ils viennent à la maison, d'abord ils ont une réticence à toucher les serpents, mais dès qu'ils l'ont touché, ils se rendent compte que ben, c'est pas visqueux et c'est pas humide. C'est assez chaud. Et du coup, après, ils ont tendance à vouloir essayer de le prendre. Parce que ils pensaient au départ qu'un serpent, c'est visqueux, c'est flasque, c'est humide. Ils se rendent compte que non, un serpent, c'est sec, c'est tiède, c'est très agréable et c'est que du muscle. C'est vraiment très agréable de manipuler un serpent. Je vous ai déjà montré un Tessera, au Bibi. Je vais vous montrer celui-là qui a mué il y a très peu de temps. Et qui a des couleurs toujours très très flashy. Quand ça vient de muer, hein, c'est un serpent de muer, ça brille, ça. C'est aussi un Okiti Abbott Tessera. Hein. Il est vraiment très en couleur, très en beauté. Regardez cette ligne sur le dos là. Superbe. Alors voilà ce qu'elle laisse, ça veut dire sans écailles. Voilà. Donc c'est un serpent qui n'a pas d'écailles, qui est très très lisse. On dirait que ben, on sent la peau, c'est très lisse à part sous le corps, parce que ben, si elle n'avait pas d'écailles sous le corps, ben, elle ne pourrait pas se déplacer, elle ne pourrait pas accrocher sur le sol. Quand on parlait de mode, là voilà ce qu'elle est, c'est vraiment un serpent qui est encore très à la mode. Et bon, ça se comprend parce que vraiment ça a une robe. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette robe. Ah, c'est splendide. À chaque fois que je les manipule un peu, j'essaie de pas trop les manipuler, mais à chaque fois que je les manipule. Bon alors ça, évidemment, pour les puristes, les tout premiers skeletless, c'est des serpents qui sont hybridés avec des obsolétards. Et c'est Bijou, je ne me rappelle plus de son prénom. Donc c'est Bijou qui les a sortis en premier, un Français, voilà, et qui travaillait dessus et ensuite qui a travaillé aussi avec Reptilis, avec Stéphane Roussel. Voilà. Stéphane Roussel ensuite les a développés de façon un peu plus entre guillemets industrielle, c'est-à-dire que il a mis en place des méthodes et des plannings de reproduction. Ça nous a permis d'avoir de très beaux spécimens qui
sont maintenant connues dans le monde entier, hein, ce qu'elles laissent. Très recherchées encore. Hein. Mais bon, il faut savoir que voilà, c'est au départ, hein, voilà, c'est un hybride. Hein, c'est un Pantherophis guttatus avec un Pantherophis obsoleta, si je dis pas de bêtises, qui a fait le premier ce qu'elles laissent. Et maintenant, évidemment, ça a été reproduit, produit et reproduit avec des Pantherophis guttatus. Donc maintenant, ça a vraiment très très peu de sang d'obsoleta. Hein. J'adore. Donc ça, c'est un couleur sauvage en CLS, mais il est porteur de Sunkist et du coup. Alors là, là, là c'est ce qu'elle laisse, mais au petit diabète. Là, on retrouve la couleur orange-marron des petits diabètes. Et surtout ce qu'elle laisse. Et là, c'est splendide. Ces couleurs incroyables. Ça, c'est un skeleton, mais il est en plus porteur de la... Ah, c'est une mutation. On a les mélanies, on a les sauvages, les mélanies, les petits diabotes. Il y a 5% de particularités géographiques, avec des couleurs qui sont un peu différentes. Là, ici, une hypose qu'elle laisse, toujours sans écailles. Je vais agiter. Là, on voit bien en dessous toutes les écailles. Là, c'est vraiment un côté ce qu'elle laisse au-dessus et en dessous toutes les écailles. Et puis, je vais vous présenter mon petit joyau, mon petit rubis. Elle est dans l'eau. Quand tu prends ton bain. Voilà. Toujours une scaleless, mais hypo sunkist. Toutes les possibilités. Donc là, c'est trois mutations. Si vous avez remarqué, j'ai des porteurs d'hypo sunkist, j'ai des porteurs de qui vont aller très très bien
avec ce petit mâle là. Regardez ses couleurs. En dessous, on voit les écailles. On voit que là, c'est beaucoup plus disséminé par rapport à celle d'avant. Et celle-ci, je la manipule pas du tout. C'est mon petit bijou. Je ne vais pas la stresser. Voilà. Allez. On va tourner en rond. Voilà, je t'en mets pas. Voilà, bon, ben j'espère que cette petite présentation de mes serpents des blés vous a plu. Et puis j'espère que j'ai pas dit trop d'erreurs, parce que bon, des fois en mutation, en génétique, on pense savoir et puis on se rend compte après qu'on a dit des bêtises. Ça m'arrive régulièrement. Et quand j'apprends de nouvelles choses et quand je regarde mes vidéos d'avant, je me dis, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai raconté, mais c'était pas du tout ça. Voilà, on apprend tout le temps. C'est ça qui est bien quand on s'occupe d'animaux, voilà, on se rend compte que, ben voilà, comme dit Socrate, je sais que je ne sais rien, et voilà, c'est ça. C'est qu'on pense savoir des choses, on dit des choses, et puis après, au fil des discussions, des lectures, on se dit, ah, mais non, mais attention, mais ce que je disais, ce que je pensais avant, mais non, c'était pas ça. Et bon, là voilà, ça arrive assez régulièrement que je me dise, oh là là, j'ai dit des trucs, mais je me suis trompé. Donc j'espère que j'ai pas dit trop de conneries. Et puis, je vous souhaite de bien vous occuper des animaux en ce moment. Et puis, je vous rappelle que contre vents et marées, et surtout contre les cons, croyez en vos rêves. Salut, à bientôt sur Qtopia.com. Salut! Je m'appelle Pilou et je suis fou de reptiles depuis toujours. Je vais tenter d'apporter ma modeste contribution à l'édifice de la terrariophilie. Bienvenue chez moi, bienvenue sur utopia.com.